crazy, Brenda. I have to get into one of these. The stitches are incredible. Today we have to make so many things go in the console, on the DVD, on the screen. It's not about just a track and some sprite around. It's a really open world, so everything that you can see. Donc pendant le développement, nous sommes partis de décors réalistes, c'est-à-dire nous sommes partis de l'île d'Ibiza qui nous offrait un environnement réaliste et connu. Et nous avons dû essayer de rester le plus proche possible de cette réalité tout en ayant des performances correspondant aux besoins d'un jeu vidéo actuel. One of the biggest innovations in this TDU2 is the day and night cycle. Nous avons voulu avoir un cycle jour-nuit complet et permanent, continu, ce qui impliquait d'avoir des éclairages réalistes, d'avoir un système d'ombre dynamique, alors qu'il ne l'était pas dans le premier jeu. Au-dessus de tout ça, nous avons rajouté une véritable gestion réaliste de la météo. Dans Test Drive 2, on peut pleuvoir, on a plusieurs météos intermédiaires, on peut avoir des tempêtes, on a beaucoup travaillé cet aspect-là. The investment that we put into the modeling of the car was huge. The car is your key avatar in the game, and we want to make sure that the car is like a jewel case. Nous avons travaillé au niveau d'éclairage sur le rendu de la peinture. Sur les voitures, un souci particulier, c'est qu'elles sont. On peut avoir des peintures métallisées avec ce qui donne un rendu très particulier. Nous avons beaucoup investi là-dessus, nous avons travaillé ce point précis pour avoir un comportement de la lumière sur la voiture qui soit très proche de la réalité. We worked on the level of details inside the car. Basically, we want you to think that you can feel and hear the leather squeak when you're inside it. How we managed to make those islands, it's a big work about on realistic satellite data that we get. And then it's a work on getting people going on Ibiza, taking photos, shots about what is the vegetation, what kind of arrows we can get there. Au niveau d'Ibiza, nous avons dû aussi gérer des éléments que nous n'avions pas rencontrés sur Hawaï, des points particuliers, comme par exemple les ronds-points dans le réseau routier, qui n'existent pas à Hawaï. Donc ça a demandé un travail spécifique au niveau des modélisations et au niveau des règles de conduite, au niveau de la signalétique, c'est-à-dire les panneaux de signalisation et des intelligences artificielles. We think we've really managed to make something beautiful and something that can bring a new experience to the player.